Ah, aujourd'hui je commence ma nouvelle journée de travail et je suis super content puisque je vais aller travailler au café. Et oui, aujourd'hui je vais servir des cafés. C'est sûr, vous allez me dire, tel cadeau, vendre des cafés ça vend pas du rêve. Mais en vrai si, parce que c'est super bien payé. Donc je vais prendre mon petit déjeuner pour être en pleine forme, une petite banane, un petit smoothie et un café. Et je vous dis, c'est parti. Bon alors, je vais boire mon café, hop là, tac. Un super bon café, le smoothie, c'est parfait, et la banane. Et d'ailleurs, en plus de ça, il y a un dress code. Ça veut dire que je dois respecter une tenue de travail. Enfin, il y a une tenue de travail qui est exigée. Donc, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Vous allez me prendre pour un clown. Je vais dans la salle de bain. Regardez-moi ça. Alors, dans ma salle de bain que vous n'avez peut-être jamais vue. Mais si, je pense que vous l'avez déjà vue. Alors, je vais me changer. Ok, c'est bon, j'ai enfilé ma petite tenue. Regardez, je suis manager du café. Et ouais, 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 je suis un big manager. J'ai une petite casquette avec, eh bien, comme au McDo, en fait. Je vais, en fait, bon, comment dire, je travaille au McDo. C'est le McDo du café. Et c'est parti, il faut surtout pas que je sois en retard pour ma première journée de travail. Donc, on y va, hop là. Je sors de chez moi et direction le café. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Aïe, aïe. Bien fait pour toi, bien fait pour toi, t'as le cadeau. Ah, mais qu'est-ce que vous me faites? Tiens. Mais qu'est-ce que... Ah, mais c'est quoi ça? Mais c'est dégoûtant. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que... Non, vous... on va mettre des TNT dans sa maison. Ouais, vas-y, vas-y. Quoi? Mais pourquoi vous avez... Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes sérieux? Boubou, tu bougeras pas d'ici. Tu bougeras pas d'ici. Tu vas pas aller au travail aujourd'hui. Vas-y, pète tout, Anna. On t'aime pas, t'as le cadeau. Mais on te déteste aujourd'hui. Non, tu pars pas. Quoi? Mais je vais être en retard. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Ouais, bah tu seras en retard. Ah, mais pourquoi vous me faites ça? C'est pas cool. Arrêtez de m'embêter, mais je vais être en retard. Arrêtez, c'est pas cool. C'est ma première journée de travail en tant que manager. En plus, t'es super moche aujourd'hui, t'as ouais, le cadeau. Ouais, t'es trop moche, c'est quoi cette tenue là? D'un guignol, non. Ah, mais je vais être en retard. Mais c'est pas cool du tout. Arrêtez. Bou. Après, viens, on va mettre du caca partout dans sa maison. Oui, non, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça, vous êtes sérieux? C'est pas cool. Je suis déjà essoufflé. Prends les crottes de ton chien Michel. Mais il est mort, mon chien. Ah mince. Ah quoi? Attendez, ils vont quand même pas mettre du caca partout chez moi, mais ils sont pas cool. On va mettre du caca, de la TNT. Ouais. Vas-y, fais tout péter ça. Mais arrête, Anna. Ah, mais pourquoi vous me faites ça? Mais vous êtes méchant avec moi. Sortez-toi. Mais vous êtes super méchant avec moi. Oh là là. On te déteste, t'as le cadeau. Ah, mais pourquoi vous me détestez? J'ai fait quoi? Pourquoi vous me faites ça? Vas-y, on rentre chez nous, Suka. Je pense qu'il a compris. Tu penses qu'il a compris? Ouais, vas-y. Ouais. Oh, attends. Mais c'est pas gentil. Mais pourquoi ils me font ça? Ils sont super méchants. Vous êtes super méchants avec moi, les gars. C'est vraiment pas cool. Pourquoi ils m'ont fait ça? Oh là là, mais en plus, je regarde ma montre et je crois que je suis clairement en retard au travail. Oh non, j'ai 10 minutes de retard. Pour un premier jour, c'est vraiment pas bien du tout. Ah, je suis arrivé à mon premier jour. Bon, je me suis un peu fait embrouiller par le patron. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Je sais pas ce qu'ils ont tous contre moi aujourd'hui. Bon, alors, j'ai préparé plein de café. Ok, voyons voir juste là. Oh, je crois qu'un client arrive. Bonsoir, mais ce ne serait pas le vieux garnement des réseaux sociaux. Attendez, de quoi vous parlez? Le vieux garnement des réseaux sociaux, de quoi vous parlez là? Oh, évitez de me bouffer l'air. Allez, servez-moi un café et un cookie, plus vite que ça. Un cookie? Bah tenez, prenez le cookie qui est devant. Oh là là, qu'est-ce qu'il prend? Oh, c'est... Ça m'étonne pas que toute la ville vous déteste, jeune homme. Quoi? Toute la ville me déteste, mais vous parlez de quoi là? Oh, cessez de poussionner dans mon café, donnez-moi mon café. Pardon. Allez. Tu me donnes ça?
Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, ok, mon cookie, c'est du cookie congelé, congelé, donnez-moi-en un autre. Non, non, c'est pas du cookie surgelé, non, non, non. Bah, j'ai plus de cookie, c'était le dernier, à vrai dire. Oh, mais qui m'énerve, mais qui m'énerve. Oh, tout le monde, bon, allez, donnez-moi ce cookie, donnez-moi, donnez-le-moi. Sinon, écoutez, si vous voulez, j'ai des muffins qui sont frais et qui sont faits maison. Oh, mon Dieu, mais il me prend la tête. Vous avez gagné, je vous mettrai une mauvaise note sur Google. Allez, au revoir, monsieur. Faut payer, monsieur. Oh, oh, attendez, vous pouvez pas partir comme ça, c'est mon premier jour. Si en plus de ça, je vous donne un café et qu'il est gratuit. Mais où est-ce qu'il est parti? Non, mais c'est pas vrai. Mais où est-ce qu'il est parti celui-là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais il est pas là-bas. Eh oh, oh, eh, toi là, eh oh. Vous, monsieur, faut payer avant de partir, hein. Oh, mais oh, payer un vieux garnement, on aura tout vu dans ce monde. Allez, tenez, voilà votre diamant. Et laissez-moi tranquille, vous marcelez, oh. Ah, super, il y en a qu'elle en plus. Eh, hey, toi, je te parle pas, toi, hein. Non, moi non plus, je te parle pas d'abord. Bah, me parle pas. J'ai juste cherché un café, hein. Toi aussi, tu as cherché un café. Vous avez quoi, tous, venir chercher des cafés aujourd'hui? Bah, c'est tout. J'ai juste envie d'un café. Bah, du coup, je veux un café, s'il te plaît, t'as le cadeau. Ouais, bah, au moins, toi, tu dis s'il te plaît quand même. Mais qu'est-ce que vous avez contre. Pourquoi ce matin, vous êtes venu m'embêter quand même? Vous abusez? Bah, tu sais très bien pourquoi. Non, je sais pas pourquoi, justement. J'ai pas envie de savoir. Tu sais très bien, t'as le cadeau. J'ai pas envie de te parler, de façon. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi tout le monde me déteste comme ça? Attendez, Souka, Anna, le vieux monsieur là qui est venu, qui m'a pris pour un imbécile. Attendez, il y a Josh maintenant. Non, c'est quoi cette journée là? Mais c'est quoi ça? Salut Anna. Salut Josh. Comment ça va? Ça va, mais je veux pas que tu viennes me voir, j'ai envie de voir personne aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce que t'as le cadeau, il m'a pris la tête. Ah bon? Si je peux me permettre, excusez-moi. Là, je désolé de vous interrompre. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pour venir, pour s'asseoir, il faut consommer. Okay. Donnez-moi un café, vous savez quoi? Vous m'avez énervé. Ok, d'accord, je donne un café tout de suite. Non mais attends, moi je taffe ici, hein, c'est moi qui décide ici, hein, c'est pas toi le patron, Josh, hein, je te le dis clairement. Bon alors. Oh oui, ça tiens. Doit être ça, ça doit être ça. Il est revenu. Mais je change de table. Tiens, Josh, hop là, merci. C'est bon. Hop là, bon alors là, j'ai le diamant, deux diamants. Bon, j'espère que le patron, il va être content. Deux diamants, juste là. Ok, bon, là, il y a le cookie surgelé qu'il a dit, le vieux, là. Ah, il est quand même en train de bouffer. Bon, laisse-moi tranquille, Josh, tu m'énerves. Non, mais vu que t'as le cadeau et toi, vous êtes plus ensemble. Moi, je veux bien être avec toi. Non, moi, j'ai pas envie. Tiens, t'as le cadeau, je te paye et je m'en vais. S'il veut. Non, moi, je veux pas. Laisse-moi tranquille. Ah, s'il veut. Non, laisse-moi. Si je peux me permettre, déjà, de 1, j'ai jamais été avec Anna. De 1, et... Voilà, bah, du coup, ouais. De 2, je vois pas pourquoi t'as... Qu'est-ce que t'as contre elle? Comment tu sais que tout le monde m'aime pas en ce moment? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Bon, tu sais quoi, Josh? Si c'est pour venir faire le bazar dans mon café, tu peux passer... Enfin, tu peux prendre la sortie directement, ok? D'accord, mais je prends un avec moi. Non! Ouais, ok, bon, ouais... Je partirai pas avec toi. Ouais, tout va bien pour vous, monsieur? Je suis venu ici pour rechercher la paix! J'ai tout sauf la paix, il y a du boucan de partout! Excusez-moi. Oh là là, oui. Oh, vous savez, à 86 ans, jeune homme, on a d'autres choses à faire qu'entendre vos âneries. Désolé. 86 ans, je savais pas pourquoi il me parle de réseaux sociaux. 86 ans, il a les réseaux sociaux, lui. Ok, bon, ma caisse est là, j'ai 4 diamants, ça c'est nickel. Le patron, il va être content, ça c'est sûr. Allez, mauvaise soirée, jeune homme. Ah, carrément, d'accord, mauvaise soirée, bah dis donc. Oh, c'est aujourd'hui, c'est ma fête, hein. Ah, bon, j'ai bientôt fini ma journée. Ce que je vais faire, c'est que je vais en nettoyer le magasin, enfin le restaurant, hop là. Bon, c'était une rude journée, beaucoup de monde, et je crois qu'il y a que 2 clients qui m'ont dit bonjour aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je leur ai tous fait, mais 2 clients qui me disent bonjour, c'est pas énorme, hein, sur une quarantaine de clients. Première journée vraiment très difficile dans ce café, hein. Je crois qu'à l'étage c'est aussi un peu sale. Waouh, ah ouais, dis donc, il y a vraiment pas mal de bazar. Il va falloir remettre tous les tapis en ordre et les nettoyer. Ok, ça c'est bon, hop là. Hop là, hop là. Ah, j'adore cette terrasse. Cette terrasse de café, on peut voir tout. Enfin, on a une super belle vue sur tout. Regardez, on peut même voir les matchs de basket quand il y en a gratuitement. Enfin, pas gratuitement, puisque pour nous c'est gratuit. Mais pour les clients, eux, ils vont devoir payer quand même une petite consommation pour venir sur la terrasse et consommer. Bon, allez, c'est fini. J'ai mis tout. Je vais tout ranger. Hop là, tac. Et c'est parti.
Fin de journée. Bon, fin de journée, j'ai enlevé tout cet accoutrement et direction la fête foraine. Je vais aller un peu m'amuser. Par où je vais aller? La fête foraine, où est-ce qu'elle est déjà? Ok, la fête foraine, normalement, elle est par là. Ah, j'ai hâte d'aller jouer à la fête foraine. Je vais pouvoir me détendre. Par contre, j'espère que à la fête foraine, ils vont pas me faire ma fête, hein. D'ailleurs, les amis, j'ai oublié de vous dire, mais là, il y a tous les gens qui s'abonnent à la chaîne. Merci à vous tous. Les noms s'affichent là. Merci à vous. Wow, vous êtes nombreux. Ok, ok, abonnez-vous. Continuez. Comme ça, vous passez dans la prochaine vidéo. Ok. Bon, alors, on va pas aller au parc aquatique. On va aller à la fête foraine. Regardez, il y a la grande roue qu'on voit juste là. Oh là là, j'ai hâte de faire de la grande roue. Je peux avoir une magnifique vue sur vraiment toute la ville. Ah, la fête foraine. Quel idéal temps pour se rendre à la fête foraine. Quel jeu je vais pouvoir, bien pouvoir faire. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un forain. Oh, regardez. On va aller voir ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Oh là, c'est le basket. Faut mettre le plus de paniers de basket. Ok, on va aller là. Oh, bonjour, compagnon. Bonjour, monsieur. Vous êtes venu pour tirer des petites bouteilles? Oui, c'est ça. Je suis venu pour tirer des petites bouteilles. J'ai trop envie de jouer. J'ai envie de me détendre. J'ai eu une sale journée aujourd'hui. Ok, alors ça fera... Alors, attendez, c'est 5 diamants. 5 diamants. Oh, mince. Écoutez, je crois que j'ai oublié les diamants chez moi. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas mon métier. Quoi? J'ai rien dit. Alors, tenez, okay. Je vous donne un arc, une flèche, et vous devez tirer sur tous les boutons pour pouvoir avoir une étoile scintillante. Ah, une étoile scintillante, c'est parti. Ok, bon alors, je vais jouer. Ok, je joue, voyons voir. Hop là, ok. Là, je l'ai eu. Celle-là, je l'ai eu. Celle-là, je l'ai eu. Ouais. Celle-là, je l'ai eu aussi. Celle-là, je l'ai eu. Ok, faut pas que je me loupe. J'ai envie d'avoir. Mais vous êtes vraiment doué, hein. Eh ouais, je sais, c'est super dur en plus. Hop là. Et la dernière. Hop là. Wouhou. Oh, waouh. Vraiment, vous êtes super doué. Vous avez eu tous les boutons. Avec 9 flèches en plus. Pas une de ratée. Ouais. Alors, si vous en voulez deux maintenant, il faut toucher les tasses de café. Les tasses de café? Ah bah, décidément. Oui. Décidément, le café aujourd'hui, j'en ai plein le dos. Ok, alors là, je vous dis que si j'ai réussi les boutons, les tasses de café, je vais réussir. Hop là. Ok, c'est vraiment mon métier. Hein. C'est vraiment mon métier. Hop là. Ok. Ok. Encore deux. Et la dernière. Boum. Wow, bravo. Vous avez tout touché. Mais vous êtes doué. Vous êtes fait pour ça. Dites, bon, c'est quoi votre métier? Mon métier, comment dire? Bah, c'est justement, c'est vendre du café. Ah, bon, ça n'a aucun rapport avec l'art. Comment vous savez aussi bien vous en servir? Vous êtes talentueux. Peut-être que vous devriez vous lancer dans ce métier. Ouais, peut-être. Je tente. Et là, justement, vu le taf que j'ai fait aujourd'hui, je pense que une reconversion professionnelle, ce serait pas de refus. Bon, alors, tu peux avoir les étoiles? Oui, tenez, c'est cadeau. Deux magnifiques étoiles scintillantes. Oh, merci. Oh, c'est des lots trop, trop cool. Bon, bah, je vous laisse, ok? Très bien. Et bien, amusez-vous. Si vous voulez, il y a mon copain là-bas qui travaille à la pêche au canard. Ah, la pêche au canard? Ouais, je vais à la pêche au canard. C'est parti. Wouhou, la pêche au canard. Bon, c'est pour les enfants de 3 ans, mais bon, je kiffe la pêche au canard. Voyons voir. La pêche au canard. Ouais. Bonjour. Attendez, c'est quoi ce délire? Mais attendez, c'était vous là-bas il y a 2 secondes là? Oh non, ça c'est mon frère jumeau, faut pas s'en faire. Ok, d'accord. Bon alors, qu'est-ce qui pêche au canard? Oui, c'est pas la pêche au canard, c'est la pêche au poisson, c'est reconverti. Ok, d'accord. Comment ça fonctionne alors? Alors, je vous explique. Tu vas devoir, mon enfant, pêcher quelques poissons, 3 plus précisément. Ok. Et selon les poissons que tu gagnes, tu vas avoir un lot de plus en plus grand. Oh, et le plus haut, le plus grand lot, c'est une épée en diamant. Oh, une épée en diamant, ça c'est trop bien. Moi, alors, comment on joue? Alors, je vais te donner cette magnifique canne-pêche. Okay. Qui nous vient tout droit du Canada. Ok. Il faut que je pêche des poissons. Ok. Ça mord là ou quoi? Ça mord? Non, ça mord pas. Ok. Il faut que j'en pêche 3, c'est ça? Ouais, okay. 3. Ok, voyons voir. Alors, comment est-ce que les poissons arrivent? Est-ce que les poissons arrivent? Il faut que ça morde. Ok. Oh non, j'ai eu des bottes. Oh, c'est des bottes, c'est pas grave. Tu sais quoi, si t'as un seul lot cool, je te laisse. Par contre, t'as 3 essais, tu viens de gâcher ton premier essai. Ok, si j'ai quoi, vous avez dit? Si t'as un très bon lot, en une seule fois. Par contre, t'as 3 essais. Hein. Ok, j'ai 3 essais, donc là, j'ai loupé mon premier essai. Ok, bon alors, il faut que j'ai un lot cool. Là, j'ai eu des bottes, et les bottes, c'est nul. Ok, il faut que j'ai un très très gros poisson. Un très gros poisson, le meilleur des poissons possible. Ah, ok. Oh oui. Oh, c'est quoi ce poisson? Alors, laisse-moi montrer. Mais oh, c'est un super poisson, c'est une superbe... C'est quoi? C'est une carpe. Une carpe. C'est trop bien. Mais là j'ai un lot de fou, là. Ah oui, franchement, là, c'est l'une des meilleures prises que j'ai vues dans mon jeu. Tenez, c'est cadeau, c'est une magnifique épée, vous allez voir. Oh, merci beaucoup, monsieur. Mais de rien, c'est normal. Bonne journée. Bonne journée. Bon, on va sortir... Il y a Suka et Anna juste là.
Je vais faire comme si j'avais rien vu. Là, non, là, j'ai là, juste là, un cadeau. Là. Quoi? Attends, Souka, reste ici, faut que j'aille parler à Talcado. Ok, ok, ça marche. Viens, Talcado, faut que je te parle d'un truc. Quoi, tu dois me parler d'un truc? Viens, c'est hyper secret. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. T'as appris quoi? J'ai suivi Josh à l'école quand il m'a embêté et j'ai vu qu'en fait, c'était lui qui t'avait piraté. Qui m'a piraté? Oui, en fait, sur les réseaux sociaux, sur ma Instagram, et ben. T'as insulté plein de gens. Quoi? Sur ma Instagram? Sur ma Instagram? Oui. Sur le réseau social de Minecraft? Mais j'ai insulté personne, Anna. J'ai insulté personne, moi. Bah, je sais, du coup, je sais que c'est Josh. Parce qu'il a mis que moi, j'étais une grosse vache rose. C'est pour ça que tout le monde me déteste. C'est pour ça que tout le monde te déteste, Talcado. Du coup, faut vraiment qu'on aille voir Josh et qu'on aille récupérer ton compte. Quoi? Mais c'est pour ça que Souka, il m'aime pas aussi. Mais attends, mais je vais aller lui dire. Hé, hey, Souka. Talcado, dans ton dernier post sur ma Instagram, tu as dit que je serais mieux sur un vélo parce que j'étais roux. Ah, mais non, mais j'ai jamais dit ça. Mais non, mais la blague des trois roues, non. C'est quand même un peu drôle. Tu trouves ça drôle? Un petit peu, oui. Bah, mais Anna. Non, mais à vrai dire, Anna, même moi je la trouve drôle, mais bon, si lui ça le vexe, c'est peut-être pas drôle. Ouais, faut pas qu'on rigole, excuse-nous, Souka. Désolé. Ok, je vous pardonne, les copains. Si tu veux, j'ai une blague. Ouais. Alors, ouais. Qu'est-ce que c'est un chinois, un. Non, je vais pas continuer la blague. Bon, allez. Ah, ça m'a bien fait rire en tout cas, merci ouais. Talcado. Voilà, bah, j'allais faire une blague comme ça, mais non. C'est bon, ça t'a fait rire? Faut vite qu'on aille à l'école, Talcado. À l'école, pourquoi? Oui, Josh, il a pris des ordis de l'école pour le faire. Josh, je sais qu'il y est toujours là, parce qu'il y a toujours des posts qui se mettent en ligne. Mais attends, mais j'utilise plus mon compte ma Instagram depuis super longtemps, faut vite que j'aille à l'école. Tout le monde me déteste et c'est pour ça. Oh là oui, là. C'est pour ça, t'as insulté plein de gens, t'as même insulté une pauvre vieille dame. Une pauvre vieille dame? Attendez. Ouais, et un monsieur ah, oui. Avec une moustache. Ah oui, c'est mon grand-père, t'as insulté, ça. T'as insulté sa moustache. T'as insulté Papi Souka, ça se fait pas, t'as le cadeau. C'était ton grand-père, là? Bah oui, il a l'habitude d'aller prendre des cafés à côté du Starbucks. Ok, c'était lui, je crois, qui était pas super content. Ah, t'as dit quelque chose de mauvais sur mon grand-père? Non, mais je crois juste qu'il était un peu vénère contre moi tout à l'heure. Ah, bah ok, j'irai lui parler après, pour voir. Mais elle est encore loin, l'école, là? Non, elle est juste à côté. Ok. Ah, l'école est là. Ok. Souka, tu connais l'école par cœur, toi? J'ai des petits trous de mémoire, ça fait longtemps, en fait. Ça fait combien de temps que t'es pas allé à l'école? Ça fait, je sais pas, ça fait 4-5 ans, je pense. 4-5 ans? Bah ouais, et toi, t'as le cadeau, ouais, tu parles beaucoup, hein? Ouais, moi, ça fait pas longtemps, en vrai. Bon, alors, parlons bien, c'est un sujet tabou, ça. Où est-ce qu'il est, ce Josh? Il est en haut, je crois. Ah oui, il est à l'étage. Josh, on va venir te chercher, mon gars. Il est tout... Attends, Anna, il est en train d'hacker mon compte, là, encore? Oui, il est complètement en train d'hacker ton compte, vite. Josh, qu'est-ce que tu fais, là? Lâche ça. Mais vous parlez de quoi? Quoi? Mais attends, mais t'étais sur mon compte Instagram, à ce qu'il paraît, t'as hacké mon compte Instagram? Mais j'ai rien fait, moi, j'ai hacké aucun compte. Bien sûr que si, je sais que tu l'as fait. Mais oui, non, je vous jure que j'ai rien fait. T'as même marqué des mauvaises choses sur moi et mon papy. Comment ça? Mais non, mais j'ai rien fait. Ça, c'est Talcado qui a écrit ça, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Prends-moi mon compte, espèce de menteur, va. J'ai rien fait, j'ai rien fait. On va s'occuper de toi. On va s'occuper de toi. J'ai rien fait, moi. Dépêche-toi. C'est pas sympa. Mais moi, j'ai rien fait, je vous jure. Anna? Ouais. Je sais que t'as des trucs sur lui. Avoue-lui. Ouais, Josh, si tu lui rends pas le compte, je vais publier les photos où t'es dans les vestiaires des filles. Moi je t'ai vu, je t'ai pris en photo. Bah quoi, c'est pas de ma faute, j'adore les demoiselles. Bah non, ça craint, on va pas dans les vestiaires des filles, t'as le cadeau qu'on y va pas. Les vestiaires des filles, c'est interdit d'abord, c'est réservé que aux filles. Oui, mais je vous jure, j'ai rien fait. Dépêche-toi, sinon on va le dire à la CPE, on va dire que t'étais dans les vestiaires des filles sans autorisation. Ouais. Ok, d'accord, je vous avoue tout, j'ai peut-être hacké le compte de tel cadeau, mais je vous jure que c'était pour faire une blague, je voulais pas que ça parte comme ça. Bah tu sais quoi, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir faire un post sur ma Instagram et dire à tout le monde que t'as hacké mon compte et que tous les messages qui étaient sur mon compte, c'est à cause de toi, là. Okay, allez, plus vite. Oui, dépêche-toi, on te regarde, hein. Dépêche-toi, on te regarde, allez, allez, dépêche-toi.
Allez. Et tu vas écrire que mon papy, il a beaucoup de cheveux sur le crâne. Ouais. Ah. Oui. Alors, le et papy. Et moi, tu vas dire que je suis super Souka, mince. Alors, le papy de Souka est mince. Non, c'est pas ça. Pourquoi t'es en train de paniquer? On a dit Anna est belle et mince. Et tu vas dire le papy de Souka a beaucoup de cheveux sur le crâne. D'accord. Alors, le papy de Anna a beaucoup de cheveux sur le crâne. Bon, vous savez quoi? On va faire une solution plus simple. Mais il est trop débile. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Voilà, bien joué, Tolkado. Et quand il reviendra, là, on réglera vraiment les problèmes. C'est bon, Tolkado, tu peux récupérer ton compte. Il faut bien que tu remettes les choses. Ouais, t'inquiète pas, je vais faire tout ça. Et essaye de changer ton mot de passe aussi, ce serait bien. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oui, c'est vrai que mon mot de passe était peut-être un peu trop simple. Minecraft 1, 2, 3, c'est pas... C'est... Ah bah oui, c'est sûr. Non, ça allait plus, là. Ah bah oui, là, faut le changer. Hein. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Faut mettre des mots de passe beaucoup plus sécurisés, Tolkado. Hein. Ouais, je sais, je suis désolé. Bon, les amis, on va se laisser pour cette vidéo. Il y a tout simplement deux vidéos qui s'affichent sur votre écran. Merci, eh bien, à tous d'avoir visionné la vidéo. Abonnez-vous, c'est très important. La chaîne de Souka, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il fait des vidéos sur Minecraft, du RP comme moi, n'hésitez pas. Et la chaîne d'Anna aussi, comme d'habitude. C'était Tolkado. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les potes.